Académie Révolution sur Énergie 12, c'était le 28 février dernier. Et vous savez que dans les prix qu'elle gagnait, il y avait la possibilité de faire la première partie de Justin Bieber à Strasbourg. C'était lundi, on était dans les coulisses du concert de Justin Bieber avec Lorraine. Reportage exclusif signé Jean-Baptiste Bergès, Céline Maréchal et Pierrot Aura. C'était l'événement. Lundi, Justin Bieber était en concert à Strasbourg et les fans étaient bien évidemment au rendez-vous. Et l'une des plus grandes fans de Justin, c'est Lorraine de la Star Academy. La jeune fille a eu le privilège de faire la première partie du chanteur canadien. Un rêve de gosse devenu réalité. Me dire que je vais aller jouer dans un Zénith comme premier concert, c'est quand même un truc de malade, quoi. Et en plus, en première partie de Justin Bieber, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Donc là, ça peut être un vrai tremplin pour présenter des morceaux au public de Justin Bieber. Ils sont plus de 10 000 hein, ce soir au Zénith. Donc oui, ça peut être une très, très, très belle occasion pour Lorraine. Lundi soir, Lorraine a dû séduire le public de Justin Bieber. 12 000 personnes étaient rassemblées au Zénith de Strasbourg. De Paris en Alsace, nous l'avons suivi en exclusivité dans sa folle journée marathon avant sa rencontre avec Justin Bieber. Regardez. Lundi 8 avril 2013, aux Aurores, nous retrouvons Lorraine à la gare de Strasbourg. Il fait chaud, réponse non, c'est officiel. La jeune femme arrive tout juste de Paris et ce soir elle chante au Zénith pour la première partie de Justin Bieber. Son premier concert depuis sa sortie de la Star Academy. Et quel concert ! Lorraine découvre émerveillée la scène sur laquelle elle va chanter ce soir. Je suis sincèrement carrément flippée pour ce soir. Lorraine n'a pas une minute à perdre. À peine arrivée au Zénith, elle doit commencer les répétitions. Dans sa loge, Lorraine se chauffe la voix. You know you love me, I know you care. You shouldn't ever, and I'll be there. Faire la première partie de Justin Bieber, c'est un truc de fou pour moi, comme tout ce que j'ai pu vivre dernièrement. Et c'est aussi une chance énorme de pouvoir me confronter aussi à un autre public et à quelque chose de nouveau pour moi, parce que la Starac c'était déjà nouveau, les Zénith c'est encore quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que j'ai hâte. Pour la première partie de Justin, Lorraine a choisi d'interpréter deux chansons pour séduire le public de Bieber. La jeune femme va chanter We Found Love de Rihanna et Locked Out of Heaven de Bruno Mars. Je ne vais pas me permettre de faire des trucs complètement différents à un concert de Justin Bieber. Et c'est pour moi les titres que je trouvais qui m'allaient le mieux dans ce style-là. Mesdames, c'est un fait de vie pour Lorraine. Chanter après Bigali, c'est impressionnant parce que c'est vrai que je suis de nature à avoir une toute petite voix et à côté de lui, je ne suis rien du tout. Donc c'est assez rigolo. Mais il est impressionnant comme gars quand même. Hein. Moi, c'est un peu ouf d'être sur scène avec lui. Lorraine ne fait pas les choses à moitié. Non seulement elle chante en première partie de Justin Bieber, mais d'autres chanteurs internationaux se succèdent sur scène. Le célèbre Bigali ou encore la petite protégée de Bieber, Carly Rae Jepsen. Les fans de Justin sont là pour Justin avant tout. Maintenant, les fans de Justin seront adorables, j'en suis certain, et vont écouter avec attention Lorraine. Ça fait quand même peur, quoi. En première partie, t'as toujours peur de pas être accepté par le public qui n'attend que Justin Bieber, justement. Donc c'est vrai que c'est assez flippant. Je suis contente qu'il y ait Lorraine en première partie. C'est même bien. Justement, à l'extérieur du Zénith, les fans de Justin Bieber campent depuis de longues heures pour assister au Believe Tour de leur idole. Les groupies strasbourgeoises attendent ce concert depuis des années. Devant l'hôtel de Justin Bieber, déjà depuis 3 jours, une cinquantaine, voire une centaine de personnes qui campent devant l'hôtel pour essayer d'apercevoir Justin. Énorme, et genre on me dit qu'elle est trop grosse, mais je l'ai vraiment, genre j'arrive de Marseille, je l'ai mis dans le train pendant 6 heures et là on me dit que ça me saoule, mais trop, mais c'est pas grave, je vais voir Justin Bieber. Plus que quelques heures avant le début du concert et le Zénith de Strasbourg est à présent plein à craquer, Bigali termine sa prestation et c'est à présent au tour de Lorraine de chauffer la salle avant l'arrivée de Justin Bieber.
Ma photo avec Justin, tant attendu parce que je me voyais mal faire sa première partie sans prendre une photo avec lui, ça aurait été sacrément frustrant quand même. Après une journée de stress, Lauren peut enfin souffler, la jeune fille a réussi son pari, les fans de Justin étaient ravis de sa prestation et ils attendent maintenant avec impatience la sortie de son premier album qu'elle est en train de préparer. Voilà, donc pour ce reportage exclusif, Franck, ça vous rappelle un peu l'époque des To Be Free, non, l'hystérie comme ça des ouais, fans. Bien sûr, évidemment, l'hystérie des fans, l'hystérie des concerts, c'était que du positif tout ça. Ouais, et puis c'est sympa de revoir, voilà, c'est bien pour les jeunes aussi d'avoir des idoles comme ça qui bah, sont évidemment. Des chanteurs. Ouais, c'est sympa. Catherine Rambert, vous pensez que Lauren, elle peut avoir une carrière à la Jennifer? C'est la question que je me posais en la regardant. Et il y a ce qui pourrait plaider pour qu'elle fasse une belle carrière, c'est que la Starac a connu un énorme succès. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu autant parler de la Starac. Elle a quand même pas le charisme de Jennifer. Elles ont à peu près le même âge. Jennifer, avec son âge, quand elle a gagné la Star Academy il y a déjà une douzaine d'années. Moi, je trouve qu'elle a moins de charisme que Jennifer. Néanmoins, on sait bien que ça dépend pas que de ça. Ouais. Ça dépend de la production, qui va la produire, ce qu'elle va être bien prise en main. Il y a beaucoup, beaucoup de critères. Voilà, Lauren, donc, qui avait gagné la Star Academy. On va s'intéresser à vous.